se lève. Je commence à me protéger de la chaleur. Voilà, comme dans le camping-car. Protégé du soleil qui tape à l'intérieur de la... du bateau. Bon, ce matin, les nouvelles sont bonnes, la météo est bonne. On a du vent et puis par contre, je réalise qu'on est déjà au 37e ou 38e jour. Il me reste encore 10 jours. Et on avait pris que 45 jours de bouffe. Donc heureusement, il reste, j'ai pas tout mangé. Ce matin, c'est l'inventaire de ce qui reste comme nourriture. Je sais qu'il y en a qui sont partis avec moi. Je sais que Thomas est parti avec 42 jours, donc je suis pas le plus à plaindre. Voilà, bah, on va faire l'inventaire de tout ça, et, mais il y a de quoi, ça va aller. Puis on va faire une petite lessive parce qu'il n'y a plus grand chose de chaud pour la fin du parcours de propre. Et puis ben, ça glisse, on continue comme ça. Ah oui, et puis hier, première blessure hier. Voilà, je me suis entaillé le bras, j'ai voulu me battre avec l'éolienne. J'ai pas fait attention, je suis passé à côté. Et c'est mon bras qui est passé dans les pales de l'hélice. De dégâts, plus de peur que de dégâts, j'ai eu très mal, mais toute petite déchirure, pas très profonde, voilà, donc rien de grave, même le choc était violent dans l'os, mais je sais pas, je suis passé à côté, incroyable, un coup de bol, c'est pas, les dégâts sont pas gros.